Ouais, on commence la vidéo fort aujourd'hui. Et fort, je pèse mes mots, parce que ça, les mecs, c'est un klaxon de TGV. Hein. Certainement pas un klaxon de trottinette. À la rigueur, un klaxon de poids lourd. Et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, nouveau petit bolide à tester sur la chaîne. Et nouveau petit bolide bien sympathique, vous allez le voir. Aujourd'hui, je suis très content de tester pour vous la Kugo Kirin G2 Pro. Alors, vous le savez très certainement, si vous me suivez, on a déjà testé la G3 sur la chaîne. Et ben là, on teste sa petite sœur. Et petite mais costaud, très costaud. Voire mieux sur certains points, mais ça, on va le voir tout au long de la vidéo. D'abord, comme d'hab, petit instant racolage. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, eh bien c'est le moment de le faire. C'est totalement gratuit. Si vous aimez le contenu, un petit like, ça fait plaisir. Et bien évidemment, merci et bienvenue à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Voilà, ça c'est dit, on va pouvoir parler de la trotte. Laissez-moi aller chercher mon téléphone. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire sur cette trottinette, bon, comme d'hab. Alors déjà, ici on est sur une trottinette de la marque Kugo Kirin. On est sur le modèle G2 Pro. Au niveau design, forcément, elle ressemble beaucoup à la G3 qu'on a déjà testée sur la chaîne. Elle est juste magnifique. Franchement, Kugo, ils font des trottinettes. Niveau design, elle pète le feu. Avec toujours ces petites couleurs noires et oranges, ces petites touches de rouge avec les phares et tout, vraiment, elle déglingue. Comme d'hab, la vidéo se déroule en deux parties. D'abord, je vous parle des specs de la trottinette. Ensuite, on ira faire un petit ride avec. Mais d'abord, je vous propose de faire un petit tour de l'unboxing parce que ça peut intéresser des gens de savoir dans quel état on a reçu la trottinette. Eh bien, sachez qu'on l'a reçue en très bon état. C'est très bien emballé, donc ça arrive dans un gros carton, bien sûr. Il y a du polystyrène de partout, donc vraiment impeccable. Rien n'a été cassé sur la trottinette. Vous l'enlevez du carton tranquillement. Bon, c'est un petit peu la galère à le retirer. Vous avez juste à monter le guidon, 4 vis à mettre, il n'y a rien de sorcier. Et le compteur, 2 vis à mettre. Et c'est tout, la trottinette est déjà toute montée. Elle est prête à partir. Bon, juste avant, un petit coup de charge, bien sûr. Et après, vous pouvez y aller. On voit vraiment qu'il y a eu un soin particulier apporté au packaging. Alors, vous avez une notice, il y a du français à l'intérieur. Je vous dis une notice, c'est même pas une notice, c'est une bible. Le truc, c'est un roman, mais au moins, il est dans toutes les langues et bien sûr, dans notre langue. On est sur une trottinette avec 2 freins à disque. Donc, pas de système hydraulique pour cette Kugo Kirin G2 Pro. Bon, on aurait bien aimé de l'hydraulique, mais bon, pourquoi pas. Alors, par contre, les mecs, j'ai vu aucune différence entre le frein arrière et le frein avant. C'est-à-dire que le frein avant bloque autant que le frein arrière. Donc, attention de ne pas vous tromper. Hein. C'est vrai que sur beaucoup de modèles, il y a une petite subtilité entre le frein arrière et le frein avant. Bien souvent, le frein avant, il est réglé de façon à ce que la roue, elle ne se bloque pas. Donc là, elle bloque, hein, autant que la roue arrière. Donc attention, on est sur une trottinette, vous le voyez, totalement suspendue. Donc suspension avant, suspension arrière. Honnêtement, je m'attendais à rien au niveau des suspensions, puisque vous le savez, lorsqu'on a testé la G3, les suspensions étaient raides comme la justice. Clairement, elles servaient à pas grand-chose. Il y avait des suspensions, histoire de dire... Il y avait des suspensions. Pour moi, la G3, elle n'était pas totalement tout terrain. Elle pouvait même être un petit peu dangereuse sur des chemins par rapport aux suspensions qui étaient vraiment très raides. Eh bien, ici, les suspensions sont plutôt souples. Donc, franchement, au niveau des suspensions, c'est le top. Après, on n'est pas au niveau d'une Varla Eagle One non plus. Hein. Mais voilà, disons que là, pour le coup, je suis passé à fond dans le chemin. Ce que j'aurais pas fait avec la G3 par exemple. Puisqu'avec la G3, ou bien j'aurais cassé la trottinette, ou bien j'aurais cassé mes dents. Mais dans les deux cas, il y aurait eu de la casse. Donc là vraiment, je suis passé à fond dans le chemin. Voilà, j'ai eu confiance en la trotte et tout. Et puis nickel. Elles sont ni trop souples, ni trop dures. Elles sont bien. Et la chasse est ouverte. On part sur des pneus, vous le voyez, tout terrain, des pneus de 9 pouces. Alors, perso, j'aurais préféré des pneus de 10 pouces. Voilà, bon, une petite déception par rapport à ça. Hein. C'est vrai que les pneus de 10 pouces, pour moi, c'est un petit peu plus stable. Alors, attention, hein, la trottinette est très stable, il n'y a aucun souci. Mais voilà, on est toujours un petit peu plus stable avec des pneus de 10 pouces. Plus les pneus sont gros, plus vous allez gagner en stabilité. Plus c'est petit, plus vous allez avoir de chances de guidonner. Donc, bon, c'est très stable, hein, il n'y a pas de souci, hein, mais voilà. 10 pouces, ça aurait été cool. 9 pouces, bon, c'est bien. Petit point sur la sécurité, on a ici un système de loquet. Donc qui va venir se loquer sur la potence. Pour la plier, pas de souci. Vous pouvez la mettre comme ceci et vous avez un petit, un espèce de petit bitonio là qui va venir s'enclencher en dessous pour pouvoir la prendre par la potence. Alors par contre, c'est assez galère après à redéplier. Hein. Une fois que vous l'avez plié, elle est un petit peu raide cette petite poignée là. Bon après ça, à la rigueur, si vous voulez pas vous faire chier, vous avez juste à la dévisser un petit peu, histoire qu'elle soit un petit peu plus souple. Alors également, ça peut servir par exemple si vous allez faire des courses, si vous voulez porter un cabas ou quoi avec un petit crochet, ça peut être sympa. Donc voilà, niveau sécurité, on est bien. Après, que ce soit un système de loquet ou un système, vous savez, de serrage, voilà, dans les deux cas, lorsque c'est bien monté, il n'y a pas de souci, voilà, ça tient. Surtout en trottinette, la sécurité, c'est très important. Je dis pas que c'est pas important en vélo ou autre, hein, mais voilà. Je veux dire, si tu te retrouves à fond avec la trottinette et puis que tu as le guidon qui se plie d'un coup, sale. Alors, vous pouvez monter un siège sur la trottinette. Vous avez le siège qui est fourni avec, hein, pas de souci. Personnellement, le siège,
c'est sans moi. Voilà, moi je n'aime pas les sièges sur la trottinette. Alors attention, ça peut être très bien pour les personnes à mobilité réduite par exemple, pour les personnes âgées, mais voilà, moi je préfère faire de la trottinette sans le siège. Déjà pour un côté pratique, parce que t'es pas forcément plus stable avec un siège que sans. Je vous le dis, j'ai testé les deux, hein. J'ai testé avec le siège et sans le siège, pas spécialement celle-ci, hein. Je l'ai pas testé avec le siège celle-ci, mais j'ai déjà fait de la trottinette avec un siège et t'es pas plus stable avec un siège que sans. Et puis bien sûr, dans un deuxième temps, c'est pour un côté esthétique. Moi, lorsque je monte un siège, j'ai plus l'air de fantômette qui part en mission que de quelqu'un qui sort à faire de la trottinette, quoi. Voilà. Donc pas de siège pour moi. Vous avez un guidon réglable en hauteur avec trois paliers de réglage. Donc vous avez ici une bague de serrage, hein, et puis simplement, voilà, vous appuyez et vous allez pouvoir venir régler le guidon comme vous voulez. Bon, moi personnellement, je l'ai monté à fond. Hop, vous resserrez votre bague de serrage et c'est impeccable. Bon, je vous le dis un peu tard, mais les plans de coupe seront vraiment dégueulasses, hein, puisque la trottinette est totalement poussiéreuse. J'ai pris le chemin à fond, donc le deck est en caoutchouc noir. Le noir, forcément, ça attire la poussière. Le caoutchouc, ça accroche la poussière. Mais par contre, c'est toujours mieux que les grippes. Puisque les decks en caoutchouc, vous rentrez chez vous, vous passez un coup d'éponge, la trottinette, elle est comme neuf. Les grippes, une fois que tu as ça dessus, j'ai pas envie de dire que ta trottinette elle est morte, tu vois, mais par contre esthétiquement parlant, oui, elle est rincée, ta trottinette, elle est morte, puisqu'une fois que t'as ça sur un grip, c'est fini, tu peux plus le nettoyer. Tu t'as beau faire ce que tu veux avec la brosse, de la lessive et tout, croyez-moi d'expérience. Donc voilà, faut arrêter de nous mettre des grips sur les trottinettes, et des decks en caoutchouc, c'est très bien. En plus, les grips, ça fait un petit peu old school et tout. Voilà, les decks en caoutchouc, je préfère, ça fait un peu plus mieux. Voilà, c'est tout. j'ai pas d'autre argument. Hauteur de la trottinette, 1315 mm, donc 1m31, quoi. Longueur, 1187 mm, donc 1m18, 1m19. On est sur une vitesse max de 45 km/h. 45 km/h totalement atteint sur du plat. Voilà, en descente, j'ai même tapé un 52 km/h. Bon, après, on était en descente. Trois vitesses interchangeables sur la trottinette. Vous avez une poignée d'accélérateur type quad au pouce. Vous avez une clé de démarrage. Vous avez un beau tableau de bord, alors qui est semblable à celui de la G3. Il est un petit peu moins... Il est peut-être un petit peu moins gros que celui de la G3. Alors celui de la G3, il était tactile. D'ailleurs, j'avais fait n'importe quoi avec le tactile. Dès que vous mettez vos gros doigts partout, voilà, il y a plein de trucs qui changent dans les réglages. Là, celui-ci, il est pas tactile. Donc voilà, c'est nickel. Il est clair, il est bien lisible. Vous avez un beau tableau de bord, vous avez des phares, vous avez des clignotants, vous avez un klaxon. Donc franchement, très bien. Pour l'allumer, alors attention, j'ai failli regarder la notice pour l'allumer, les mecs. C'est fort quand même, hein. Je me disais, je tourne la clé, j'appuie là comme ça et tout. Je fais, ça s'allume pas. En fait, il faut tourner la clé et il faut rester appuyé sur le bouton quelques instants. Et là, tac, elle s'allume. Alors au niveau des clignotants, des phares, alors on a trois phares à l'avant, deux petits phares au niveau du deck qui vont également servir de clignotants. Et on a un phare à l'avant qui va vraiment très bien fonctionner. Vous n'aurez aucun problème pour voir ce qui se passe devant vous. Vous n'aurez aucun problème pour être visible. C'est vrai que ça, à chaque fois, je vous en parle des phares, mais il y en a qui éclairent plus que d'autres. C'est comme ça. Voilà, celui-ci éclaire vraiment très très bien. Pareil, les feux arrière, donc vous avez un feu sur le garde-boue arrière, deux feux au niveau du deck. Les deux feux au niveau du deck vont également servir de clignotants. Donc bon, en plein jour, ils sont visibles, hein, franchement. Ils sont bien visibles, même en plein jour. Après, est-ce que les véhicules vont penser à regarder à ce niveau-là lorsqu'il y a une trottinette qui veut tourner? Voilà. Par contre, en pleine nuit, nul doute que tout le monde vous verra. Faut vraiment être de mauvaise foi pour voir, pour que l'automobiliste, par exemple, vous dise que vous n'avez pas mis votre clignotant. Bon, moi, j'utilise toujours la méthode à l'ancienne, hein, c'est-à-dire que dès que je tourne, je mets le pied comme ça. On va avoir un moteur à l'arrière de 600 watts qui a une bonne reprise, qui a de la bonne pêche. Donc, il va vous permettre de monter des pentes allant jusqu'à 20 degrés. Aucun problème pour monter la côte de la mort, les mecs. Hein, je l'ai monté à 16-17 km/h, poignée dans l'angle, vitesse 3. Mais je l'ai monté sans lui donner un coup de main. Poids de la trottinette, 26,7 kg. Donc pour pas dire 27 kg. Hein. Alors ce poids, je sais pas s'il compte la selle ou pas. Puisque si vous n'avez pas la selle, bah, ça va encore vous alléger. Bon, toujours est-il que 27 kg, c'est correct. Hein, c'est pas spécialement très lourd. Vous n'allez pas non plus vous la balader à bout de bras toute la journée. C'est vrai qu'il y a des trottinettes, je les déconseillerais si vous habitez par exemple au 3e étage ou 4e étage, tu vois. Mais voilà, là ça reste encore jouable, même si vous avez 2-3 étages à monter avec la trottinette, sans problème. Mais t'as des trottinettes vraiment qui font plus de 50 kg, 50-60 kg, hein, des trucs avec des batteries monstrueuses et tout. Là, oublie, hein, si t'habites à l'étage, que t'as pas d'ascenseur et tout, c'est la galère. Au niveau de l'indice étanchéité, on est en IP54, donc comme d'hab, hein, vous n'allez pas faire de la plongée sous-marine avec la trottinette, mais vous pourrez conduire sur une route un peu mouillée, sous la pluie fine ou quoi. Logiquement, il n'y a pas de souci. Alors quand même, j'aimerais relever quelque chose, c'est au niveau de la charge. Le caoutchouc, là,
Va pas falloir trop tirer dessus, mon gars. Parce que il est en train de se... Malade, lui. Il est en train de se barrer à moitié, là. Donc, voilà. Ça, c'est... Hein, toujours faire gaffe que vous avez bien le caoutchouc, les mecs. Parce que si un de ces quatre, vous roulez sous une route qui est un peu mouillée, le truc, il va vite s'oxyder, votre connecteur. Hein. Et puis, bah là, faudra pas venir pour dire bah la trottinette, elle recharge plus ou quoi. Forcément, si le connecteur, il est oxydé, c'est foutu, les mecs. Donc voilà, pensez toujours à mettre votre petit caoutchouc lorsque vous roulez. Au niveau autonomie, il nous annonce 55 km maximum. Hein. Donc 55 km, bien sûr, c'est pour peu que vous ne rouliez pas à fond avec la trottinette. Vous rouliez en vitesse très raisonnable, voire très bas en fait, et puis sur du plat, tu vois, voilà, pas trop de montée, tout ça, voilà, moi, je pencherai plus sur 40 km bien tassé, puisqu'on a quand même à l'intérieur une batterie 48 volts 15 ampères, donc qui va vous assurer quand même une bonne autonomie. Après, comme d'hab, je le répète, mais ça dépend des types de chemins que vous allez prendre, hein. Si vous prenez du chemin de terre, si vous roulez dans l'herbe, si vous roulez sur le goudron, si vous prenez des montées, voilà, tout ça, c'est très variable. Ça va dépendre aussi du poids que vous allez mettre sur la trottinette. D'ailleurs, le poids, parlons-en, elle a une charge max de 120 kg. Au niveau de la charge, on a un chargeur en 2 ampères, donc bah c'est pas les plus puissants, hein. Donc forcément, il faudra s'armer un petit peu de patience pour la recharger. On est entre 7 et 8 heures. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour des specs de cette Kugo Kirin G2 Pro. Maintenant, on va aller faire un petit ride avec. Allez, c'est parti. Ok, let's go. Bon, c'est parti, let's go pour le ride. Alors comme je vous le disais, il y a 3 vitesses sur la trottinette. Là, je me suis mis en vitesse 1. Donc la vitesse 1, bon là par contre, bon, je suis dans l'herbe, hein, dans le chemin de terre un peu. Ça m'emmène à 10-11 km heure, dans le chemin en tout cas. Si je mets la vitesse 2, tout de suite, plus de patates. Ça va m'emmener à 25 km/h et la vitesse 3, bien sûr, on va la tester lorsqu'on va sortir du chemin qui nous emmènera jusqu'à 45 km/h. Et j'ai ma caméra qui commence déjà à se faire la malle. Bon, ça secoue un peu quand même. Les suspensions sont pas totalement souples, mais bon, elles sont pas totalement raides non plus. Hein. Donc, on est sur un entre-deux, on est bien. Voilà, je mets la vitesse 3. Attention, petite pointe, c'est parti. Je suis à fond là. Poignée dans l'angle. 25, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, bon là j'arrive en descente, 44, 45, 46, 50, on va se calmer, ah, j'arrive en descente. Voilà, sur du plat, vous pouvez compter, ouais, 44, 45 km heure. Voilà, nous, on va rester vitesse 3, bien sûr, poignée dans l'angle. Bon, au niveau des suspensions, je vous dis franchement, on est souple, hein, on est très souple. Alors, bon, très souple, non, on n'est pas très souple, mais on est souple, on est bien, quoi. Bon, après, comme je vous l'ai dit, au niveau des pneus, on est en 9 pouces, donc ça, bon, un petit peu dommage, on n'est pas en 10 pouces. Bon, après, c'est pas non plus, ça va, hein. La trottinette, elle est très stable et tout, pas de souci. Mais voilà, les pneus 10 pouces, c'est toujours un petit peu plus stable. Il y a beaucoup de vent. J'espère que vous allez bien m'entendre. Parce que je me prends le vent en pleine gueule, je suis à 40 là. Je fais des petites pointes, je suis à 45. 47, mais bon, je suis en descente. 47 en descente. Bon, au niveau confort de conduite, franchement, bah, on est bien, hein. Voilà, on a, quand on règle son guidon bien haut et tout, on a un guidon bien haut, on a un deck relativement large. Bon, même si c'est pas le plus large que j'ai testé, ça t'emmène vite quand même. Hein. Je suis déjà à 42 là, 43, 44, j'ai le casque qui s'envole, 46, à 50 dans la descente, petite descente, 51, 52. Ah, je suis à 50, les mecs. Voilà, ça freine plutôt bien. Tiens, je vais passer par là un petit peu. Là, il y a un petit chemin. Histoire, voilà, petit chemin de terre. Hein. Bon, ça passe, les mecs. Hein. C'est nickel. Hein. Bon, faudra faire attention, bien sûr. Mais ça passe. Voilà, c'est parfait. Là, je suis à fond en vitesse 3 dans le chemin. Bon là je roule totalement dans l'herbe, hein, donc je suis à 28 km/h. Oh putain, j'ai la caméra, elle se casse la gueule. Wow,
Je suis à 35. Oh putain. Oh là là, je suis parti en mode cross, les mecs. Je suis à 36. Oh attends, je suis parti en mode cross, la caméra, elle se fait la malle. Bon, j'essaie de redresser la caméra à chaque fois, mais c'est pas évident. Hein. Mais franchement, c'est nickel. Hein. Là, dans les chemins de terre, les mecs, c'est parfait. Hein. Donc, chemin de terre, c'est un peu de l'herbe et tout. Alors là, par contre, j'arrive carrément. J'arrive au bord de la Charente. Donc, on va éviter d'aller plus loin. Même si la trottinette est étanche IP54. Elle n'est pas étanche IP sous-marin, tu vois. Ça nous permet de voir que la trottinette, bah, franchement, voilà, aucun souci pour prendre les chemins de terre. Hein. Avec la Eagle One, on est encore un peu plus souple au niveau des suspensions. Et là, je passe là-dedans. Je vais pas dire que je sens rien, mais tu vois, je suis bien, quoi, tu vois. Là, c'est vrai que bon, les suspensions sont moins souples, mais elles sont très bien. Par exemple, j'aurais pas fait ça avec la G3. Ça aurait pas été possible au vu des suspensions. Ouh ! Moi, je suis en mode cross, les mecs, là. Ouais, nickel. Ça passe crème. Bon, la caméra qui se pète un peu la gueule. Perso, je la trouve plus agréable à conduire que la G3. Après, à coup sûr, c'est grâce aux suspensions. Par contre, la G3, je sais plus si c'était du 10 pouces ou du 9 pouces. Là, j'ai un doute. Donc, vous voyez, on aurait eu du 10 pouces avec ces suspensions, ça aurait été parfait. Mais là, bon, je pinaille un peu, hein, parce que même en 9 pouces, c'est très bien, franchement. Hein. On a des gros pneus bien larges et tout, ça passe partout. Bah, vous l'avez vu, hein, on va dans les chemins et tout sans problème. Hein. Les suspensions font très bien le job. Niveau tarif, on est à moins de 600€ sur le site de Kuko Kirin. De toute façon, je vous mettrai tout ça dans la description. Et du coup, niveau rapport qualité-prix, on peut difficilement faire mieux. Franchement, on est très bien placé niveau tarif. Quand tu regardes la finition, les options, on a une bonne autonomie, elle a un très beau design. Franchement, on est très bien placé niveau tarif. Toutes les trottes ne peuvent pas en dire autant dans cette tranche de prix, quoi. Bon, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de tester cette trotte. Encore une fois, merci à vous de m'avoir suivi. Je vous rappelle que si la trotte vous intéresse, je vous mettrai un petit lien dans la description comme d'hab. Si vous avez kiffé en repartant, n'oubliez pas le petit like, ça fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, salut !